Bonjour, good morning. Mr. Baca, I feel like a rookie as a director listening to you after all the experience you have before, but I try to do my best. My presentation will be in French, just to make sure for those colleagues from Québec. Je vais en profiter pour parler français parce que c'est rare qu'on ait la chance de faire une présentation à l'international et de pouvoir s'exprimer en français. Michel, es-tu là, le chef de police de Québec? Es-tu en arrière? Ah, il vient de quitter? Non, parce que tantôt, j'ai rencontré le maire Régis Labeaume, mais là, j'entends dire qu'il y a un 5 à 7 demain. Puis je voulais lui demander, est-ce que le petit carton pour le 5 à 7, je peux le donner au maire Gérald Tremblay pour qu'il se présente à ma place demain? Puis ça fait drôle parce que je vais avoir les deux maires dans la même journée aujourd'hui. Puis en tout cas, j'avais toutes sortes d'images tout à l'heure quand je parlais avec le maire Labeaume. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je suis un gars de Québec, entre autres, donc c'est encore plus particulier de me présenter ici ce matin pour venir vous parler de la police de Montréal. Mais d'une certaine façon, disons que j'ai encore beaucoup de rencontres ici. Hier, j'étais avec Richard Deschênes, justement, et puis François Deschênes, puis on parlait de la thématique d'aujourd'hui, puis on était les trois ensemble, puis on se disait, les trois ensemble, on aurait sûrement des choses à dire sur la perception des médias, justement, puis qu'est-ce qu'on peut vivre des fois dans différentes occasions, à différents niveaux, en termes de crise, puis comment est-ce qu'on peut faire face à la situation. Parce que, bon, c'est clairement exprimé, on sait très bien, on est souvent devant les feux de la rampe, puis on est souvent aussi mis à l'épreuve par rapport à la réputation de nos organisations. Et on a tous chacun nos histoires, dans le fond, puis nos expériences. Puis c'est bien humblement que je me présente ici pour vous parler de ce qui s'est passé chez nous. Et bon, finalement, je devais être avec un chef de police d'Atlanta, puis avec Charles Ramsey de Philadelphie. J'ai pu comprendre que j'étais rendu tout seul. Mais M. Baca, il a quand même pris un petit peu de temps, donc ça va nous permettre d'avoir une présentation assez serrée, pareil, sur les enjeux par rapport à Montréal. Écoutez, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vous partager différentes situations et si jamais ça vous interpelle, tant mieux. Puis ça serait le fun qu'on ait un échange là-dessus aussi. Je suis beaucoup plus quelqu'un de dialogue que de présentation. Je pense que c'est important. C'est le genre d'échange où est-ce qu'on peut avoir l'opportunité d'avoir des gens justement à l'international qui peuvent être interpellés puis nous présenter peut-être aussi leur vision des choses par rapport à ce qu'on peut vivre. Je veux juste faire un bref rappel sur ma nomination, parce que moi, j'ai été nommé comme directeur il y a à peine environ un an et demi. Et puis, évidemment, quand je suis arrivé en poste, il y avait déjà un état de situation.